Comment ça marche? Youhou! Je suis là! Salut! Ah! Bah, je te dérange, t'es prête là? Non, t'inquiète pas, j'ai juste 2-3 trucs à régler là. Ah, d'accord! D'accord, on va voir. Ah, aïe, aïe! Ça va vous aider un peu! Tiens, bah, viens! Allez! Oui, bah, c'est lumineux là! Surprise! Moi je la connais pas cette fille. Salut Sophie. Oh bah c'est... Salut. Ah bah écoutez... Voilà, cette soirée j'ai dit ça serait bien que t'es de retour, oh. On se retrouve tous. Bon il manque un peu des gens parce que c'est vrai que j'ai prévu ça au dernier moment. Pas mal d'empêchements, c'était... Ah mais c'est très bien, c'est vraiment... Voilà, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de tous se retrouver comme au beau vieux temps. Ouais, comme un bon. Je suis touchée là, c'est vraiment sympa de... Bah, je t'en prie, c'est pas... ouais, donc j'ai fait cette soirée pour elle parce que je me suis dit que ça serait bien qu'on se retrouve tous ensemble avec tous les amis du lycée et c'est vrai que je m'attendais à avoir plus de monde que ça. Entre nous, quand j'ai appelé les gens, que je leur ai proposé la soirée et la raison de la soirée, c'est vrai qu'ils m'ont un peu ri au nez et donc c'est un peu spécial j'espère juste que la soirée va bien se dérouler malgré tout parce que bon pour le moment c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'ambiance et je me dis que j'ai un peu fait tout ça pour rien mais bon c'est pas... je vais retourner parce que sinon on va se demander un peu. Voilà, tu veux boire quoi? Bah, un coca dilué, c'est clair. Ils sont restés classiques. Un coca dilué, d'accord. Ah oui, oui. Une mesure, pas plus, quoi. Ouais, ouais. Bah, tu me parles pas, toi. Bah, quoi. Oh, des olives. Tiens. Merci. Ah, c'est gentil. Pourquoi on a voulu venir en fait? Ouais, je suis vraiment déçue. 6 dans une soirée, ça fait pas beaucoup quoi. On est d'accord, c'est pas une vraie soirée quoi. Sinon, vous avez des nouvelles? Sinon, vous voulez voir quoi les gens? Elisabeth, du coca. Elisabeth. Oh merde! Attends, c'est le tatouage. Ah oui. Non, y a pas, je t'ai fait un dessin pour ton retour. T'es en train de sucer, genre. Vous voulez voilà. Mettre un peu de musique? Ah, ben, merci. Anatole. C'est pour rappeler quand on était en cours de maths au collège ensemble. D'accord. Tu veux boire quoi? Je m'en souviens très bien. Ah oui, mais enfin t'es toujours aussi belle en tout cas. Ah bah merci, c'est... T'as pas changé depuis le collège. C'est très gentil. Merci de ta part. C'est ça. Ah là là. Hier, ça a été chez tes parents? Bah oui, ils étaient partis pour le week-end. Oh, c'est vite. On se verra pas. Salut. Salut.
salut. On a vu des caméras, donc on voudrait savoir ce qui se passe. On se connaît. Oui, on est voisins. Puis là, c'est ma pote. Donc, on voudrait s'incruster, quoi. Ok. Écoutez, si on vous demande, on est de bons amis. Ok. Ok. Vous couperez son montage. Donc voilà, je vous présente Elena, Ali, de très bonnes amies à moi. Donc voici Samir, Anatole, Elisabeth, la star de la soirée, et une amie à nous. Donc, salut tout le monde. Salut. C'est le manchot. Et donc voilà, petite soirée en l'honneur d'Elisabeth. Ouais, bon bah c'est cool tout ça. Ouais. Bon, merci. Ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est très bien. Installez-vous les filles. Ouais, maintenant. Ah, c'est bon. Bon, c'est cool la fête, hein. Ouais. En fait, elle est plus de trompe, hein. Ouais. Comment? J'ai déjà vu mieux, quoi. C'est quoi? Bah, il y en aura pas assez, quoi. On va en chercher, c'est pas grave, quoi. Ouais. Je t'en avoir encore. Ouais, bah, j'espère, quoi. Parce que là. Nous, en fait. On la connaît pas, la fille, hein. On est là pour la bouffe, c'est clair. Que mais bon. C'est pas grand chose, quoi. Moi, c'est clair. C'est clair. Donne-moi ça. Avec du bois. C'est un gâteau apéro, c'est pas... Ouais, non, mais par portion. Sinon, ton chat, ça va pas vite. Enfin, il est un peu vieux, tu sais, maintenant. Donc, quand il crache ses boules de poils, ça va plus très bien. Mais sinon, ça va y aller. Il paraît que t'es une superstar à Paris, que ton livre se vend super bien. Bah ouais, là, on en est à 900 000 copies déjà, donc... Wow. C'est un peu la plus grande fierté. Pardon? Attends, t'as dit quoi là? Bah, que mon livre c'est ma plus grande fierté. C'est une blague? Non! Non, sérieux, c'est une blague là? Non? Tu plaisantes, j'espère. T'es fière de ce que t'as écrit dans ce livre? Bah, bien sûr que je suis fière, tu crois quoi? Non, mais attends, tu te rends compte là de ce que t'es en train de dire? Mais t'es complètement cinglée, t'es complètement malade, je sais pas, y'a un problème dans ton cerveau là. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Non, mais. Attends, excuse-moi, t'es amnésique, t'as oublié de ce que t'as écrit dans ce putain de livre là? Attends, mais t'as un problème, Anaïs, c'est toutes ces remarques là, j'ai un problème? Une fiction? Tu te fous de ma gueule? Bouge-toi! Casse-toi, toi! Fiction, tu t'en fous de moi de la fiction? Bougez, c'est bon. Oh, tiens, un des meilleurs passages. C'est bizarre, c'est de la fiction. Le prénom de cette putain de fille là, c'est Annabelle. Anaïs, Annabelle, on fait pas le lien. Oh, ça va! Annabelle est beaucoup plus petite que moi. Cette situation a pu engendrer des conséquences inimaginables, autant métaphoriques que véritables. Je lui suis rencontrée à la rentrée des classes en 6ème. On s'est rencontrés quand? Bah avant. Oui bien sûr, mon cul avant. Elle portait des couettes, coiffure dont je lui fis une remarque désobligeante. Ainsi ne sait plus jamais coiffer ainsi. T'as raison. C'est comment que tu m'as appelé? Tu es fibre d'acier. Mais attends, et ça te fait marrer, espèce de grosse conne. Si je devais décrire Annabelle en tant qu'animal, elle serait un mouton. Laisse-moi te dire que toi tu serais une vipère. Sale garce, constamment perdu dans son esprit, ayant besoin d'un berger comme moi pour la guider dans sa vie. T'as raison, je t'ai toujours suivi, je t'ai pris comme modèle. J'aurais jamais dû, j'étais bien stupide. Je lui ai tout enseigné, de son langage à son éducation, en passant par son style vestimentaire et ses besoins affectifs. Je lui ai tout donné. Et attends, oh, voilà un des meilleurs passages. Ayant enfin repris confiance en elle, elle ne pouvait pas se passer des garçons, les enchaînant les uns après les autres sans répit. Une soif insatiable a fait surface, ma meilleure amie se comportait à une harpie en chaleur. Tu veux que je te dise? Oui, je me comportais telle une harpie en chaleur, parce que je prenais exemple sur toi, espèce de grosse salope. J'ai enchaîné les gars comme tu l'as fait. D'ailleurs, il y a 3 jours, j'ai appris quoi? T'as couché avec mon frère? Putain, je le savais, ça, je le savais. Je savais que t'avais couché avec son frère. C'est bon, non mais calme-toi. Non, tu te fous de ma gueule, t'es vraiment une grosse salope. Ça va, tu me dégoûtes. Non, mais tu me dégoûtes. Vous faites chier. Tu me dégoûtes. Toi, t'es fière d'avoir écrit un truc comme ça? Ah oui, je suis fière, mais t'as fait quoi dans ta vie? T'as fait quoi? Tu crois que t'es mieux que moi, peut-être? Je suis pas mieux que toi, en tout cas, moi j'ai des valeurs! T'habites à Paris! J'en ai rien à foutre de ta vie de merde, j'ai des valeurs! Moi j'ai la confiance! Tu crois que tous les gens qui sont là, ils sont là par plaisir? Les deux là, ils sont venus! Je les connais pas! Je les connais pas non plus, ils sont venus juste pour bouffer! Tu vois? Et tous les amis qui sont venus, ils auraient dû bien plus! Les amis, ça? Ça oui, les amis? Lâche-toi, mais ils sont pas venus! Venir te voir, tu vois. Mais qu'est-ce que moi j'aurais été, même pas j'aurais été l'effort. Mais qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis déplacée pour venir te chercher parce que je me suis dit. Peut-être qu'elle regrette. Peut-être qu'elle regrette. Ça a mis du retard. Non, c'est on a
puis cette salope. C'est comme ça qu'on me traite. Je veux dire, merde, je fais que mon boulot, tu vois. Enfin, je veux dire, j'essaye de gagner ma vie. Elle est restée en pack de veto, là, je sais pas quoi. C'est pas comme ça qu'on vit. Tu vis comme ça, là, dans un trou. Oh, c'est pas vrai, quelle grosse colère. Non. Arrêtez, là, c'est bon. Et vous, les deux connasses, là, bande de drailleuses, barrez-vous. Cassez-vous, je vous dis. Putain. Elle était pourrie, la fille. Ouais, c'est ça, cassez-vous. Tiens, ça va faire. Je vais voir, je peux plus. Eh ben, c'est ça, allez, casse-toi aussi. C'est. Barre les boutons, de toute façon. C'est bon, c'est bon. Là, c'est bon, ça va. C'est... Oh putain, ça fait du bien. Oh putain. Oh, ça fait du bien. Vous comptez filmer longtemps, là, comme ça? Allez, c'est bon, cassez-vous. Cassez-vous, je vous dis. C'est bon, allez, barrez-vous. Non, c'est bon. C'est chez moi maintenant, cassez-vous. J'étais son modèle, mon cul. Attends, peut-être qu'elle m'enviait secrètement, je sais pas quoi, mais ça se voyait pas, hein. Moi, mes parents, ils en ont rien à foutre, mais rien à foutre. Genre là, ils sont même pas là, quoi. Mon frère, j'ai l'impression qu'il s'en fout, de toute façon. Je parle du bouquin... Peanuts. Jamais. Elle avait même pas à me faire. Pourquoi elle m'a fait un truc surprise là, sincèrement? C'est quoi ce truc? Je veux dire, c'est pas comme si je lui avais demandé un grand truc. Enfin, c'est. Je sais pas. Pourquoi je suis revenue, franchement? Je pensais vraiment faire la fille gentille, quoi. Je suis pas revenue depuis 3 ans, mais il y a eu tellement de choses, j'avais pas le temps, quoi. Quand tu travailles, c'est comme ça, je veux dire, t'as pas le temps pour tous ces petits trucs. Enfin, oui, on s'est perdu de vue, mais les amis, ça se perd de vue, quoi. Ça se fait pas, quoi. Je veux dire, c'est. Tu sais, je suis une poule dans un poulailler. Elle m'a emprisonnée, cette salope. Si douce, quand la vie me tourne. Franchement, elle m'en veut à mort. C'est quoi? C'est juste, elle est jalouse. Elle est jalouse. C'est la jalousie. Je veux dire, enfin, y a pas d'autre explication. Y a pas de solution. Je me barre d'ici. Je me barre d'ici. Tu comprends? C'est où? C'est-à-dire qu'on a fait plusieurs. Non.